Salut, dans cette vidéo, on va visiter le mausolée Sidi Mezri. Alors, la visite va se faire avec la gardienne hein, qui va vous expliquer un peu l'histoire des lieux. Et donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai aimé la visite. Donc, je vous laisse découvrir les images et ça va commencer d'ici peu de temps avec notre amie la gardienne qui est très gentille, que je remercie au passage. À bientôt! Il s'appelle Imen Al-Mazeri. Al-Mazeri. C'est un Sicilien. Oui, voilà. Et quel siècle il a vécu Oui. Attendez, je vais enlever mes chaussures. Ah, c'est beau, hein? Oui. Je pensais pas que c'était... Je pensais que c'était une école coranique, moi. C'est pour ça que je regardais comme ça. Regarde le plafond, comme elle est jolie. Ouais, et ça, j'ai déjà vu, c'est tout. Je filme avec la caméra, moi. Ah, c'est pas comme les autres plafonds, hein? Oui, les petits trous à la pierre. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau, hein? Oui. Partout, dit le Coran. Sourate, Yassine, Coran. Ouais, le Coran. Ouais. C'est Mohamed, Mohamed Allah. Ouais. Mohamed la voilà. Voilà, on a à l'intérieur un tombeau de l'imam al-Mazari. Voilà, entrez. Ah, c'est un imam? Oui. Les Italiens, imam? Ah oui. C'est un Tunisien, un Arabe. Musulman. C'est ça le tombeau. Voilà son histoire. Elle est là, son histoire. Vous pouvez le voir. Ah, ok. Ouais, attends, je vais lire après. Ouais. Voilà son habit. Ah, c'est son habit. Oui. Regarde, c'est une... D'origine. Une chose traditionnelle. Ah, ouais. Jour. C'est quoi ces taches sur comme c'est quoi ça le henné, voilà. Henna. Ah. Et qu'est-ce qu'il a écrit, des souhaits oui. Les filles écrit son nom Les filles qui écrit, oui, pas les hommes Les filles et les hommes Et ça là, c'est quoi ça, oh, ça le tableau là, le nom de Allah. Elle est 99, 99 oui, là. Oui, 99 Et ça c'est le Coran ça oui. Et ça c'est le des Coran textes aussi. C'est un nouveau Coran, c'est pas l'ancien Coran. L'ancien. Ancien, ça? Oui, regarde, c'est Sourate Yassine. Voilà et ça, ce livre, il est nouveau, le livre, ou il est vieux? Le livre est nouveau. Nouveau, regarde. Voilà, nouveau. Il est nouveau, hein? Oui. C'est pas le vieux. Et ça, c'est son tombeau, alors, ça? Oui, son tombeau, il est par terre. D'origine? Il est par terre. D'origine? Oui. Et vous êtes la famille de El Maziri? Je suis la responsable. Ah, la responsable c'est du mausolée. En fait, c'est un mausolée ici, oui, hein, c'est ça? Un mausolée, oui. Vous êtes la responsable. Je le surveille toute la journée, c'est mon travail. Ah. Oui, c'est moi qui le surveille toute la journée. Et ça, c'est quoi ça, le collier là? Le c'est collier un cadeau, avec. C'est un cadeau. Cadeau de quoi? De qui? Il y a quelqu'un qui veut. Qui a offert le cadeau à l'imam. Et il a fait des choses bien, lui, imam, à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait que, voilà son histoire. Son histoire, elle est là, oui, ici, oui. Au tableau. Voilà ouais. Son histoire. Ouais. Voilà, ça, c'est l'histoire. Bon. Vous pouvez les lire? Oui, je vais les lire. Ah, je filme quelques secondes pour que les gens puissent regarder. L'imam El-Maziri. El-Maziri. Ah, oui. Voilà. Il écrit, il est d'origine. Ouais. Attends, je filme un peu ici. Mais c'est un beau mausolée, hein? Celui-là du Kef, j'ai visité celui-là du Kef. Il est très beau aussi, celui-là du Kef, dans la Médina, là, tu vois. Il est beau aussi. Hein. Regarde les drapeaux, comment les. C'est quoi les couleurs, le drapeau? Ouais, ça veut dire quoi? C'est pour les décors. Mais ça a aucune signification dans la religion. Il y a les drapeaux de la Tunisie. Voilà. Le drapeau de la Tunisie sur le tombeau. Ah, oui. Pourquoi? Le rouge et le blanc. Ouais. Regarde le vert aussi, comme des jolis, les verts. Mm-hmm. Le vert, il est différent de celui-là. Le vert clair, vert fond. Ah. Regarde, c'est une pièce pour les visiteurs, surtout qu'ils viennent de loin. De loin, c'est pour s'y reposer, même prier aussi. Là-bas? Oui. Vous pouvez entrer.
Ça, c'est une gargoulette, ça. Oui, c'est une porte, elle garde de l'eau, ouais. D'eau fraîche, c'est une porte, chose traditionnelle. Mmh. L'eau qui est dedans, elle est bien pour la santé. Bien pour la santé. Oui. Tu veux boire? Non, non. Pourquoi? Je bois l'eau de bouteille, moi. Sinon, parce qu'ici, ils mettent des produits chimiques dans l'eau. Ils mettent des produits chimiques dans l'eau. C'est dangereux. Le petit trou, il est dedans, comment? Voilà. Ah oui? Attends. Donc c'est une porte-bouteille bizarre. Hein? Ah oui, touche un peu comme elle est. Comme elle est, oui, elle est fraîche, pas. Ah oui, elle est froide. Fraîche, ah, ouais. Elle est froide. On n'a pas besoin de frigo. Hein? Thank you.